Sinclair. Ah, oh, bah ouais, c'est de l'allemand, ça. Bon, ça va faire la troisième fois que je vais emprunter cette branche. C'est la troisième fois, moi, c'est la deuxième. Prends l'approche en clignotant. Z51. Z51. Comme ça pile. Et en plus, c'est noté sur juste son côté, c'est même pas, pas noté en face. Ouais. Bah, de toute façon, c'est bois, c'est un léger. Ah non, non Saint-Germain-en-Laye, putain. Saint-Germain, voilà. La première fois que j'ai pris cette branche, c'était en 2009. Ouais, c'était quoi comme rab à l'époque? Je l'ai eu à 1,84. Ah oui. Ah oui, j'aurais bien aimé aller jusqu'à 19 en 84. Mais j'ai jamais... Oh, 1800 qui vient de passer. 1800. 1680, hein. C'est ça? Attends. Ouais, c'est ça. 180. Là, on va voir de mieux en mieux. 1753. Oh! Putain, les fleurs de fou. 210 en City Exchange. Château de Versailles. 37,57. Et voilà, on plonge. Ah ouais. Super. C'est parti. Au-dessus Fontenay-sous-Bois. Voilà. C'est noir, on peut pas. Ouais. Donc Sergilio, c'était un Upal. Normalement, le prochain train, c'est un Terry. Ah, super. Hey, il est mutiné. Bon. Oh. Ouais, 2 minutes. Val de Fontenay. Superbe, ça c'est une gare super. Si je pouvais habiter dans ce secteur. Pourquoi il y a quoi ici en fait? Elle a quoi la gare? Elle est très moderne. Parce que je sais que c'est très bien desservi ici. Même mieux que desservi. Je crois qu'il y a un petit cours pour le train, je crois, ou je sais pas. Mmh.
Bah, le prochain train est dans 7 minutes. Comment il neige. Ah, je le vois d'ici la gare. Ah ouais, quand combien de virages. Je suis trop fort. Lévi-Plaisance. Ascenseur caché sur la droite. N'ayez plaisance. Ils ont un parking juste en face. Il y a beaucoup de place aujourd'hui. Grave. Et c'est facile pour spotter avec 09 ici. Hein. Mmh. C'est facile de spotter. Ouais. Très très facile. Là, on peut faire du free parking limite. Hein? On peut faire limite de free parking. Mais il y en a pas qui font ici, je crois. Personne. Non, pas du tout. Ils font verrou. Que dans la gare. Ouais. Poissy. Ah, c'était un 1600, mais j'ai pas reconnu. À moins que. Ah, et que vu d'ici, moi je suis un peu. Non, pas lui. Oh putain. Mais c'est un 1600. Car d'où on voit mieux. Hein? D'où on voit mieux. D'où tu? Non, où tu es toi, on voit mieux. Ah ouais. Tiens, ralentis. Ok. Ah, un truc pourri. Allez, avance là, t'es pas un escargot là. Ouh la honte. Sur Marne déjà. Salut sur Marne. Brie sur Marne. Oh, ça c'est mal dit.
Oh le boom. Alors, l'ascenseur est là-bas. Caché là-bas. Hop. Ah oui, oui. Ça c'est pas la grande ceinture. Exact, normalement. Avec les. Je crois que c'est les marchandises plutôt. Celui-là. Noisez-moi mon est. Est-ce que je reconnais ce tunnel maintenant, vu qu'elle est longue? C'est ça. Voilà, Noisy Grand Monde Est, parce que séparation. Noisy Grand Monde Est. Le central sert pour terminus au cas où. Ça t'attend que le terminus sort dans le point. C'est ça. Noisy Grand Monde Est. Je trouve que ça a bien été modernisé les panneaux. Ça change un petit peu. Ah, c'est d'abord que c'est un des panneaux plus récents. J'aime bien. Enfin, en 2009, c'était même pas comme ça, je m'en souviens. C'est seulement c'est seulement l'écriture, la partie intérieure là, la partie en bleu et en blanc. Mais c'est plutôt confortable ces sièges. Confortable? Ouais. Par rapport à une 84? Non, pas au siège des rames modernes. Pas pour MF01 c'est... par exemple. Ouais, MF01 non. C'est de la merde. Mais ça, c'est un jeu que je préfère. J'imagine. Ah! Ça, c'est pas un ascenseur, mais c'est plutôt un plateforme. Mmh. Ils ont une plateforme inclinée. Ça doit pas dater ça. Ouais, parce que comme Nation, comme Charles de Gaulle, comme Châtelet, ils en ont deux à Châtelet. Ou comme je sais plus qui. Ah oui, mais pas une fois pour les ascenseurs sans fauteuil roulant. Hein? Je pensais que c'est en fauteuil roulant là. Même les ascenseurs sans fauteuil roulant. Oh putain! Ouais. Mais non, oh 1700! Et putain, j'ai même pas vu la deuxième. Salle de balle d'Europe sur la gauche, tu vas voir des trucs assez impressionnants. Ah oui. Parce que moi j'ai fait qu'une seule fois jusqu'à là-bas et c'était il y a un an et demi, c'était en août 2015. Tu vois. Ouais. Mais ça fait un an et demi pile poil. Ouais, mais tu as remarqué un truc avant d'atteindre le tunnel de Marne-la-Vallée. Ah bah tu me diras. Tu me dis à ce moment-là pour que je regarde à gauche. Voilà. De toute façon, t'as un petit peu le temps. Bah ouais. Noisy-champ. Noisy-champ. Oh là, ça bouge. Noisy-champ. Noisy-champ. Champinelle. Champinelle, entretiré. 310, 320. Aucune idée. Ah, le 100, le 213, les 212 et le 312. Ok. Il va être où le 100? Hein? Le quoi? Tu sais ou pas le bus 100? Non. Non, tu sais pas.
Je connaissais même pas. Moi non plus. Aïe. Et mais il existe plusieurs centaines de lignes aussi. On a tellement. On a plus de 300 sur la RATP. Ouais, c'est beaucoup quand même. Et près de une quarantaine sur de Noctilia. Et 20 mai 2017, Renault au Zénith. Putain. Allez, l'ascenseur juste en face. Ça, c'est de quoi? Ah, purée, en plus, c'est un Magnum City hybride. Wow, wow, putain. Maintenant, oh, pff, non, pas forcément à part vite fait, mais bon, là ça redevient ville dans quelques secondes, par exemple, comme ça. Ça devient ville un peu plus loin. Dire, je connais quelqu'un à Noisiel. Noisiel. Ouais. Oh là, putain. Noisiel. Noisiel. Noisiel, le Lusard. Noisiel. Le Lusard. Une question. Okay, je connais quelqu'un là-bas. Tu es déjà descendu ici? Non. Non, jamais. Ma seule destination, c'est chez si. Ouais. Ouais, c'est bien d'aller jusqu'au bout. Mais non, je disais, je connais quelqu'un là-bas. Oh là là, les booms, c'est chaud. Ça va, on n'a pas assez entendu. Ah, il clignote. J'ai même pas vu si c'était Poissy ou Sergi. C'est un Poissy. J'ai même pas vu demi-douzaine là. Oh. Il n'y en a pas beaucoup des mini-douzaines. Il n'y en a que 43. Non, 42. Maintenant, c'est qu'il y a un mec qui a cramé. Le 1585-86. Ah bon, ça fait 42? Ouais. C'est que là, celui-là, le 1585-86 a cramé en fait. Ouais, je sais. Et du coup, ben, il est. Réformé. Ah, voilà, c'est ça. Lagne. Le Mandinet. C'est délicieux que je peux passer là. Hein? C'est délicieux que je peux passer là. L'ogne. L'ogne. Le Mandinet. Ça sort, c'est en face. Ah, un train tous les 10 minutes. Ça, ah oui, pile poil. Ah, c'est bien ça. Ça, c'est une fréquence parfaite. Ouais, ça, c'est une bonne fréquence.
Oula, il en fait un goût chelou là. Ouais, chez moi c'est. Oula, il est pressé. J'ai même pas entendu le sonore. Moi j'ai entendu. Pas moi. J'ai entendu ce vibreur. En tout cas, il est faible le vibreur. Oh bah c'est pas comme les Mi 84. Ah ouais, ça fait du bruit. Ouais. Mi 84, ouais. Ouais, bah là il y en a plus du tout. Oh dommage. Ah, ah j'ai la fin. J'aurais bien aimé faire ce trajet en Mi 84 moi. Un dernier, mais bon. En fait, ils vont faire circuler une dernière fois à fin février, mais sans la fête. Ah ouais. Ouais, mais ça sera pas sur son tronçon. Hein ? Ça sera pas sur son tronçon. Il va passer sur le tronçon de Marne-la-Vallée-Cergy. Ah oui ? Ouais. Ce sera quand ? Fin février. Tu sais le jour ? Non. J'espère que ce sera un week-end. Bah, c'est sûr, peut-être. Mais en tout cas, ils vont pas faire la fête. Ils vont juste, ils vont, ah ouais. Il va juste faire des passages. Ah ouais. Un fois d'un que j'aurai passé sur la date. Comme ça, je préfère je préfère au moins une fois le trajet quoi. Oh, moi je préfère le week-end, hein, c'est sûr et certain. Ouais. Si c'est un samedi ou un dimanche, je suis bon. Ouais. Ah, c'est que j'ai jamais fait, c'est pour ça. J'aimerais bien plus de faire ce trajet en 1.84. Bah, ce serait peut-être possible, c'est au cas où ils le remettent pour une dernière fois. Ouais. Et c'est qui t'a dit ça? Non, j'étais au courant, c'est tout. Ah ouais. Moi j'ai aucune info là-dessus, c'est pour ça. Torcy. Torcy. Avec derrière les petits garages. Ah ouais, là il y a une voie médiane. Je me rappelle, tu vois, au-dessus là-bas il y a une autoroute qui passe au-dessus des voies de garage. Torcy. De quoi ? Une autoroute. C'est, bah, une fois j'étais passé en voiture, c'était. Ouais, en c'est laquelle ? Oh putain, j'ai même pas vu le premier. Attends. Ah ouais, on voit pas d'ici, c'est assez caché ce. Si, on voit un petit numéro là vite fait, là, si tu peux voir. 1618. Ouais. Non, donc voilà, et j'étais passé du coup par un tour en voiture, je voyais très bien les voies de garage. À l'époque, en 2009, il y avait plein de MI-84, même des ND-61 qui étaient garés. Ouais, ouais. Bah, parce que c'était au maximum pour Torcy. Ouais. Est-ce que... Mais ils ne sont jamais allés jusqu'à Marne-la-Vallée, les MS. Non, parce que c'est monocourante là. C'est maximum monocourante ici. Mais je sais, mais. Mais en fait, je sais pas si. À Marne-la-Vallée, c'est à 1500 volts. Donc c'est bon. Toujours 1500. Et toujours. Les mais 60 ils pourraient aller jusqu'à Marne-la-Vallée. Il y a une fois, j'en ai vu un pour Marne-la-Vallée. Une fois. Là, j'ai jamais vu moi. Mais pas en vrai, hein. Ah, c'était pas en vrai. Ah, dans une vidéo. Ouais. Ouais, c'est comme si j'aurais vu réellement. Ah, Cergy, Upal. Ah, ça clignote 40. Alors, on va voir tous les mises en 9 et mises 2N normalement par là. À gauche ou à droite? Par là. Ah ouais. Bah là, tu vas aller voir tout de suite là. Voilà. 1727. Là, il y a une mi-2N. Ah oui. 1555-56. Voilà. Mais ouais. Et hop, ça cache un petit peu. Ah, il doit y avoir des matériels à l'intérieur. Ouais, mais c'est caché. Bon, on verra au retour au pire. Ah, il y en a. Oh, encore. Encore un mi-2N. Bah, monte. Oh, faut te mettre debout toi aussi pour encore. Voir. Ah, si, j'ai rien à voir là. Si. C'était combien? Là, je vois que des mi-2N. Putain. 1680 et 1510. Saumon. Ah, 110 km/h maintenant. Là ça va booster là. Ouais bon je vais le revoir au retour. 120 km/h. Aïe. Vitesse max. Et pourtant on est en virage hein. C'est ouais. Ça le truc. Il y a ce coup un peu. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je n'ai pas compris. Non, ça secouait. Elle secouait un peu la rame, elle sautille un peu, je veux dire. Oh, ok. T'as vu? Ça fait, ça sautille un peu des fois. Ah ouais. T'as vu? Oh putain! On dirait qu'il vole. J'ai vu à Bussy-Saint-Georges, normalement il devait y avoir. Ah,
Il y a un matériel très ancien du métro. Ah oui, non, genre un Sprague. Je crois un Sprague, voilà. Ah ouais. Ça doit être ça. Bah les vieux métros, c'est ça. Ouais, mais ils sont il y en a un bus, c'est Saint-Georges normalement. Il se trouve à près de la gare. Je crois, hein, je sais pas. Ouais, j'en ai jamais vu en vrai des Sprague comme ça. Pourtant, moi j'ai vu un en expo à la maison de la RATP. Ah ouais. Ouais. Si c'est un vrai en exposition, ouais, ou si c'est une reproduction, ouais, ça fait bof. Ouais. Bussy Saint-Georges. Hop là. Bussy Saint-Georges. Maintenant. Bussy Saint-Georges. Là, ils ont carrément rien fait dessus. Hein. Ouais, c'est quoi les vieux trucs, ouais. À part qu'ils ont fait un ascenseur là-bas, mais là sinon il y a. Bussy Saint-Georges. Ça a même pas changé du tout. Depuis des années. Ça, je sais même pas ça date de quelle année cette gare. Bah alors du prolongement jusqu'à la vallée. Parce que je sais qu'au début c'était terminé sur Torcy. Ça c'était prolongé en 94 jusqu'à Marne-la-Vallée. Non, pas 94. Si, c'est pour Jean 4. Non. T'es sûr? C'est pas possible. C'était quand alors? Le 1er avril 1992. Oui, quand quelqu'un vient le parc. Mais le RER est peut-être été pour le temps, j'ai revoir après sur internet. Non, ouais, c'est le 1er avril 92. Là, l'ouverture de Marne-la-Vallée. Ouais, enfin l'ouverture du parc, oui. Non! L'ouverture de la gare! Ah bon, bah je verrai alors. Le 1er avril 92, ouverture de la gare. Et 11 jours plus tard, c'est le parc. Ah ok, vas-y. Ils ont fait exprès d'ouvrir la gare d'abord. Ouais. Histoire d'assister à l'inauguration. Le Val d'Europe, ils ont fait exprès de... Je crois qu'ils l'ont ouvert, je crois, vers 97, quelque chose comme ça. 97, 96. Ouais, Val d'Europe. Val d'Europe. Ville de Série, c'est de Montévrin. Val d'Europe. C'est le nom des communes, ça. Hein? C'est le nom des communes. C'est une des communes, ouais. Il y a deux communes. Série, Montévrin. Je connais aussi quelqu'un pas très loin de Montévrin. Il y a du monde aussi. C'est normal, c'est en face de Disney. Ouais, mais il y a surtout un grand centre commercial ici. Et ouais, il y a aussi centre commercial. T'as un recours pour la Disney, faut aller, autant aller jusqu'à Disney, quoi. Voilà. On va pas descendre ici pour la Disney. Là, à partir de là, faut que tu regardes à gauche, tu vas voir un bâtiment assez un peu gris blanc. C'est quoi comme bâtiment? Tu devineras bien. Je te dirai dès que tu le verras, vas-y. Bah mets-toi là-bas, tu verras. Ça va y aller dans une minute. Voilà, ascenseur là, la dernière. Est-ce que tu le vois? Non. Non, pas encore? Non, plus parce que... Ah, ça doit être après là. Ça, c'est la. C'est TGV ça. TGV. Là, on n'en voit rien. Studio 9, si c'est ça.
De quoi, tu vois un bâtiment là? Ouais, un bâtiment, il y a écrit studio d'un dessus. Exact. Et c'est quoi ce bâtiment? C'est une attraction. Ah ouais? Ah, c'est une attraction? Ouais, c'est une attraction. Aussi près du train? Ouais. Et c'est quoi comme attraction? Rock'n'Roller Coaster avec Aerosmith. Ah oui, c'est pas un grand 8 où il y a une chanson de rock là? Exactement. Ah, oui, ah, je l'ai faite il y a 2 ans celle-là. Ouais. Ouais, mais c'est à l'intérieur donc on peut pas voir les trains passer. Eh ben non. Dommage. Ah, ça, bah c'est normal, c'est fait par le chaud. Bah ouais. Ouais, il fait noir à l'intérieur, mais. Il y a avec des espèces de rétroprojecteurs là, enfin les lumières qui. Mais ça dépend des trains que tu prends. Il y a non, mais il y a des lumières qui. Ouais, il y a 5 trains différents et composés de chaque couleur. Ah, c'était ce bâtiment-là. Exactement. Il y avait Studio 9. Studio 9, ouais, exact. Marmoula-Vallée, ici, par Disneyland. Normalement, on est la descente est à droite. Non, à gauche. Ah, je sors, allez. Marmoula-Vallée, ici, par Disneyland. Avant de descendre, assurez-vous de ne rien oublier à bord. Please ensure you collect all your belongings before leaving the train. Vergewissern Sie sich vor dem Aussteigen, dass Sie nichts im Zug vergessen haben. Allez, vas-y, je te fais l'annonce tout de suite. Maintenant. Terminus. Nous vous invitons à descendre. Merci. All change, please. This train terminates here. Endstation. Bitte alle aussteigen. Dans l'arrière, regarde, il y a un IDC dégagé. À l'arrière, regarde. Ouais, là-bas, là-bas. Regarde, il faut là-bas. 1676, départ. Eurostar, départ de London Saint Pancras. En direction de London Saint Pancras. Ouais, parce qu'on venait de le voir. Ouais. Ah, il est presque vide. Ouais. Putain, comment il va vite, hein. J'ai jamais vu un train de partir aussi vite. Là, ça t'est géré. Normal. Je le savais. À destination de Tourcoing va partir. Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. Platform 5. The train will go 7, 6, 1. Going to Tourcoing et la police station. Michael Dorothy. Ah regarde, il a desservi Angers, Le Mans, Massy, ah ouais, Massy derrière, ah ouais, Massy TGV. Massy, Marne-la-Vallée, aéroport Saint-Denis, puis après voilà, pourquoi. Mesdames et messieurs, vous présentez s'il vous plaît, mesdames et messieurs, le service régulier et compagnie du TGV Saint-Denis-Cacolet-Saint-Denis, à destination de Strasbourg, a commencé. Merci de vous présenter à la gare Jupiter et compagnie, située en Giro, entre les deux ascenseurs. Mesdames et messieurs, c'est pas tout seul, hein. Ah oui, c'est Ah, il fait exprès pour que comme ça puisse rouler. Ouais, il dessert les freins en fait. Ah, il dessert les freins. Ah, là c'est bon. Vert, on y va. Ouais, c'est trop bien en fait, hein. Ouais, ouais. C'est pas comme Gare de Lyon, tout ça. C'est encore mieux. Ah oui, si. Alors après le 761, 762.
2009 celui-là. 760. Ah ouais, 760. 2009 aussi. 760. Mais je me demande c'était quoi avant le Wigo. Bah il a fait gelé normal celui-là. Et c'était la gelé normal, ils ont transformé en Wigo en fait. Ah. Bon, la deuxième classe. Hop. Et 2760, moi c'est le même chiffre des deux côtés. Oh putain, comment il va vite là. Bye bye les TGV Wigo.